Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit poulet à la crème d'artichaut, rapide à réaliser, très sain aussi, car l'artichaut aide à diminuer le cholestérol, surtout après une bonne tartiflette ou une bonne raclette, ça fait du bien. Donc, on aura besoin d'un oignon qu'on émince et qu'on fait revenir dans de l'huile en mode doré. J'ai coupé mes poulets en aiguillettes de poulet. On fait revenir nos poulets et nos oignons. La crème d'artichaut, vous la trouvez un petit peu partout dans les supermarchés. Moi, je l'achète chez Metro, mais quand j'en ai pas ou j'ai pas été chez Metro, ben je l'achète sur Amazon. Je vous laisserai un lien. Donc très simple, hein, c'est une boîte, voilà, une bouteille que vous retrouvez dans au supermarché. Et il suffit simplement d'ouvrir la bouteille, de rajouter 4 cuillères à soupe de crème d'artichaut. On continue à faire revenir. On rajoute du sel, du poivre. Ne salez pas beaucoup parce qu'on va rajouter du fond de veau. Fond de veau ou bouillon de poule, ce que vous avez. C'est très bien aussi avec le bouillon de poule, je l'ai déjà réalisé. 300 ml de fond de veau. Alors on remue bien comme il faut pour décoller les sucs. Sucre de cuisson, c'est important pour éviter les codes erreurs. Et je vais mettre en mode sous pression pendant 10 minutes. En attendant, je mets mes pâtes à cuire. Et je vais réaliser mon liant. Je récupère un petit peu de bouillon de ma sauce. Voilà. Alors j'ai pris une louche d'eau de mes pâtes. C'est que de l'eau de mes pâtes dans ma sauce. Et ça apporte de l'onctuosité à ma sauce. J'ai rajouté pour mon liant 200 ml de crème liquide et une cuillère à soupe de maïzena. Je remue bien, j'intègre ma maïzena à mon liant et puis je la verse dans ma sauce. On laisse en mode doré 2 minutes et il n'y a plus qu'à servir. Vous pouvez rajouter du parmesan si vous le souhaitez. Et voilà ce que ça donne. C'était très bon. Je vous conseille ce repas, surtout après une bonne tartiflette ou une bonne raclette. Ça diminue le cholestérol, ça régule aussi les intestins. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous dis à très vite.